peux avoir. Voilà, tu rebranches ton micro. D'un coup, tu vois la petite barre verte qui s'anime. On est heureux. Tu peux avoir. Voilà. Voilà, tu vois. T'as un retour et tout, donc tu sais que ça marche. Ça fait 30 secondes que t'es allumé. T'as déjà été con. Joby! Hop. Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Ada, sous son impair, elle porte une petite culotte. Et il n'est pas possible de le voir. Oh, regardez, Léon, il a essayé de lui mettre une main au cul. Vous voyez? Là, c'est l'instant fétichiste des pieds. Voilà. Si, si. Oh oui, maîtresse Ada, écrasez-moi avec vos talons. Oui, oui. Non. Non, pas de blague sur les gamines. Pour les plus autres les autres fétichistes, voici une belle paire de chaussures à crampons. Oui, oui. Alors que William Birkin porte des petites chaussures de ville à talonnettes, hein, Catherine Warren, elle, porte des talons. Et Mr. Raccoon, il porte des sabots. Elle a pas de morsure. Elle non plus. Ah voilà. Elle a une grosse entaille à la joue. Agro-gros, agro-gros, agro-gros. Ah, pardon, excusez-moi. Il m'arrive comme ça de temps en temps de péter un plomb. Voire deux. Pour les fétichistes des pieds. Voici un pied de liqueur. Ces quatre griffes prouvent que l'évolution a diminué. Il est repassé de l'homme à 5. Ah, liqueur, ça 4. À part s'il prend comme hôte que des gens qui ont une atrophie des doigts de pied. Bien sûr. Raccoon City, cette ville industrielle au cœur de l'Amérique. Salut. T'es caché. T'as recommencé? On recommence à l'instant. Ah voilà. Take down. On repart sur un Léon B. On a fait Léon A, Claire A, et là on part sur un Léon B. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi? Des flics? Ouais. Léon Kennedy. Toi? Claire. Claire Redfield.
du coup, pour une partie du scénario qu'on ne connaît pas encore, qu'est-ce qui se passe avec Léon quand on a Claire? Claire, ça va? Oui, ça va. Et de ton côté? On peut pas rester ici, c'est trop dangereux. Pars tout seul. On se retrouve au commissariat. Ok. Entendu. J'ai pris mon petit pistolet à vis. Nickel. Du coup, l'intro est abrégée. Ce qui est marrant. Pas très utile, mais marrant. Claire, j'espère que tu t'en es sortie. Le jour des morts. Oh, ça aurait été classe qu'il y en ait un qui sort de sa tombe. D'accord, on est là. Là, il y a l'entrée du commissariat habituel. Et on peut voir cet endroit depuis l'entrée quand on arrive. Là, c'est le bas. Dans celui d'origine, il y avait le zombie spécial pour les clés. Ah ouais, on arrive vraiment beaucoup plus tard en fait. D'accord. T'as fait quoi de tout le chemin là, mon petit Léon? T'as glandouillé ou... Oh, heureusement qu'il y a une deuxième pince coupante alors qu'il y en a une juste de l'autre côté quoi. Hey Claire. Léon, j'arrive tout de suite. Elle utilise la pince, tu coupes 2-3 grillages. Faudrait qu'on arrête de se voir comme ça. Tout va bien? L'hélicoptère, il a surgi de nulle part. Ouais, ça va. Je suppose que t'as pas la clé? Non, je l'ai pas. Mais je suis contente de te revoir. Tu tiens le coup? Bah, on fait aller. Sacrée nuit, hein. Ouais. Et ton frère? J'ai appris qu'en fait, il... Papa. Moi qui pensais que ça pouvait pas être pire. Léon, tu ferais mieux de partir. C'est pas faux, ouais. T'inquiète pas pour moi. Essaie de te mettre à l'abri. Inquiète-toi un peu pour moi quand même. Parce que j'ai que 5 balles. La clôture va pas tenir. Vite, va-t'en. On s'en sortira. Tous les deux. Ouh, direct le même 19. Ah bah merci. La clé de la cour. Est-ce que j'ai loupé une clé? Est-ce que j'ai loupé une porte? J'allais dire, est-ce que j'ai loupé une porte? C'est pas exactement ce que j'avais imaginé. Ouais, tu m'étonnes.
Bienvenue dans la police. Ah, faut aller de l'autre côté. Merde. Tu pouvais me suivre, s'il te plaît? Voilà. Je peux se passer là. Tu te fais toucher une fois et direct en haut. C'est pas comme ça que j'imaginais mon premier jour. Ouais, moi aussi, je pensais que ça serait plus glorieux quand même. Du coup, ça fait une version toute chelou du jeu, non ? Chinois le retour. Message de papier. Non. Il y a une sortie. On a un symbole tout griffonné. Une femme.
Est-ce que je me healerai? C'est moi ou ils essaient de me faire croire que je vais avoir le fusil à pompe tout de suite là? Va quand même falloir jouer au jeu. Même si c'est à l'envers. Putain de merde. J'allais dire, est-ce que du coup t'es ultra dépendant de Claire ou pas? Mais ça a l'air de pas être le cas. Je suis en train de me poser la question de où t'en es dans l'histoire à ce moment-là. Non, non, non! Quelque chose me dit que c'est pas un flic. Ouais, moi j'aimerais bien savoir c'était quel couloir surtout. C'est peut-être ça que j'aurais dû noter à l'époque. C'est moi ou il est moins précis qu'avant, Léon? Ça va mal finir cette histoire.
Faut que j'apprenne à viser avec ce flingue. Pourquoi il le tient que d'une main? Je comprends pas le principe. Bon bah on a plus de balles. Bon comme ça c'est fait. Ça j'ai noté par contre. 6, 2, 11. Ça reste pareil, parfait. Frein de bouche du Matilda. On n'a pas chopé de balle pour le Matilda depuis tout à l'heure. Bon bah au moins j'ai une bonne raison de récupérer le Matilda. Ah merde, y'a pas de coffre ici. Oh 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 oh. Ça va être chaud là. Je suis en cas de liqueur. Est-ce que tu l'entends? C'est pas faux. Le machin sait que t'es là, mais... Comme il peut pas le prouver. Mais comment elle fait, Claire? Elle a rien fait depuis le début? Ah putain. Pardon, excusez-moi. Je suis tellement stressé que...
Ah, elle fait rien du tout en fait dans sa partie elle. Ouais, c'est des trucs bien excitants quand même. Genre le 102, le 103, le 106, le 109. Pas d'objet de défense secondaire. Fiche. Putain de merde. C'est pas très confortable hein, comme position, hein, garçon. Non, celui-là, je peux pas l'ouvrir. De toute façon, rien en 200, je ne peux être ouvert. Par contre, en 109, oui. Et en 106. Pour faire du fusil. Oh putain, j'en ai pas des classiques. Bah, c'est dommage. Non, parce que c'est pas des balles de fusil là que je voudrais. C'est des balles de flingue. 45 ACP. Ah, il y en a dans le couloir. On va prendre celle du couloir. Comme ça, on aura une plante, un mélange et. Merde.
Le jeu il est en train de me dire qu'il va falloir que je fasse des choix, mais j'ai pas envie moi. Le choix n'a de plaisant que si on le fait soi-même. Je peux le pousser au suicide. Super. Je l'ai noté. DCM. Je peux pas le faire, non. Il y a un truc qui va pas dans la logique interne du jeu. Parce que normalement on est censé passer après Claire. Mais Claire elle a pas rebouché le truc avec un pain de C4. Remis l'étagère sur les trucs, enfin... Normalement, il y a un couteau par contre.
Donc il y avait l'humain, la balance. Allez, ramène-toi. Ça me perturbe qu'il n'y ait plus le coffre ici. Ah putain, le son de la manette aussi me perturbe. Excusez-moi. Léon, chasseur de trésors. Spécialisé dans les cadenas. Putain, mais pour le Mathilda, quoi. Ah oui, une pochette. Parfait. Pique de A, pique de B. Donnez-moi plus de balles. Ah merde, c'est du 9 mm. Oh les bâtards. Saloperie.
ai besoin, ça aussi, ça pas du tout. Ça fait pas beaucoup de place libre quand même. Chaud hein, quand même ce petit New Game Plus. Officiel du jeu en plus, je veux dire. Bah, c'est pas un vrai New Game Plus dans le sens où c'est pas un Game Plus. On commence avec rien. Sauf les infos que t'as en tête, bien sûr. Ce qui pour moi est les infos que j'ai couchées sur le papier. J'aurais peut-être dû venir là avant. CAP. Ouais, j'aurais dû me mettre là. Bonjour à toi, ami chinois.